Alors, problème d'infiltration, on a d'humidité ici dans le sous-sol au niveau du mur. On va retrouver des problèmes aussi dans le garage avec ici des taches d'humidité tout le long du mur, là jusqu'en haut. Alors on va aller en extérieur. En extérieur, on a les eaux pluviales, donc le chenot qui est juste dans l'angle. Voilà, de l'angle où on a l'humidité en dessous. Ici, le regard. Donc déjà, on a fait ici une constatation, c'est que l'étanchéité s'est décollée. Et sur le côté, ici, voilà, on a une fissure avec un test au colorant qui nous montre ici les infiltrations entre le tuyau et le regard. On a également inspecté le tuyau d'évacuation. Donc on a une pente qui est relativement faible, donc ça se bouche avec des feuilles. Et en plus, les tuyaux étaient montés à l'envers. Recharge de fuite effectuée.